Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir 10 boosters de draft de l'édition Commander Master. Alors voilà, c'est une édition qui est sortie le 4 août 2023 et dont les prix étaient très très chers. Alors les boosters de draft c'était entre 13 et 15 euros pour se les procurer. Donc voilà, sauf si vous achetez une boîte de 24 boosters, ça revenait à je crois autour de 300 euros la boîte, mais ça revenait moins cher le booster. Je vais ouvrir 10 boosters de draft et puis demain je vous proposerai une vidéo d'analyse et de stade de cette ouverture, combien j'ai eu de cartes différentes, combien j'ai surtout la valeur et la cotation de ces cartes, est-ce que ça valait le coup, parce que là les boosters ils coûtent très très cher. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est 20 cartes ce coup-ci, c'est des boosters qui ont 20 cartes, donc c'est un peu plus que d'habitude. Et surtout Commander Master, c'est une réédition de cartes Commander très cotées, l'édition ancienne, l'édition cotée, et c'est pour ça que les prix sont très élevés, c'est pour pas faire baisser les cotations. Alors, ce sont des boosters de draft en version française, et donc on va aller découvrir ensemble toutes les cartes, avec en premier Eclipse Fantomale. Alors, il y a 20 cartes, donc je vais voir ce que ça donne, on verra combien il y a de communes. Point de flamme, puis je vous dirai combien j'ai tenu avec 10 boosters de cartes différentes. Abri, en termes communes, je crois qu'il y a quelques communes qui sont cotées. Il y a une commune verte qui a coté un peu plus de 1€. Piaillement de bataille, Commodeur de la flotte pourpre, Lire dans les eaux, Capitaine de la garde d'ivoire, c'est la commune 321 qui est cotée un peu plus de 1€. Serpent cryptique, enfin, il y a des cartes très cotées, des rares très cotées. Piège 100 fois, ok, bon, on sent beaucoup beaucoup de communes. Alors effectivement, il y a 20 cartes, mais c'est beaucoup de communes. Triton des fondrières, Prédateur de Kozilek, Bouleversement de réalité. Alors la première, peu commune. Alors, j'ai noté aussi quelques peu communes qui sont plutôt cotées à plus de 1€. Il y en a certaines cotées à 2 ou 3 euros aussi. Il n'y a pas de bleu dans l'histoire. Oracle de Grey, c'est la peu commune 406. Hop, Vigile Loyale, peu commune. J'ai rien noté en vert. Verdelos l'Ancien, encore une peu commune. Ouais, il y a quand même pas mal de peu communes. Hamza Vigile d'Arachine. Ça fait beaucoup de peu communes. Ouais, et il y a 20 cartes dans chaque booster, effectivement, beaucoup de communes. Seigneur Démon, Belzenlock, c'est la rare numéro 151. Je ne l'ai pas noté celle-là, dommage. Bon, je pense pas qu'elle soit super cotée. Oh, Médaillon de Jet, oh, la rare numéro 395. Je me la suis pas notée non plus. Si, si, si. Ah, c'est un peu plus de 10 euros. Alors, vous savez, j'ai pour habitude de protéger les cartes. Et c'est vrai que c'est très important, les amis, si vous voulez garder une valeur, la valeur de vos cartes, il faut surtout bien les protéger. C'est très, très, très important. Donc celle-là, je vais mettre la petite pochette, après on continue. Oh, Griffe Faucheuse. Mais il y a combien de rares? Alors, il y a 3 rares dans le booster. Celle-là, c'est la 408. Bon, je ne l'ai pas noté. Et on a une peu commune foil. Yaini, Partisan Immortel. La 201. Ok. Peu commune foil. Et ensuite, un jeton élémental. Donc, voilà. Alors, le tour d'horizon, on va déjà mettre, protéger cette carte qui est un peu plus de 10 euros. Donc, effectivement, premier booster, qui est donc un booster qui a une valeur d'achat entre 13 et 15 euros. Et j'ai une carte à un peu plus de 10 euros, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais la mettre de côté. On va continuer. Allez, ouvrir les autres boosters. Alors, avec Forgeron de Myr en commune, Palais d'Opale, hein, premier terrain, Ministre d'Obligation, Ornement de Breeder, Aspirant de Sang, Chaudron d'Envoûteuse, Infestation Rampante, Lingot de Sombracier, alors on a Sorcier des Vents. J'aurais dû compter les cartes pour vous dire exactement. On va compter après tous ceux qui brillent. On verra si c'est exactement la même chose. Déferlante de Scarabée Rhinocéros. Jambière d'Éclair. Alors là, c'est une peu commune, je crois. 398. Alors celle-là, il me semble qu'elle est cotée à 3 ou 4 euros. Ah, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais la mettre de côté. Oh, Mutation de Sombracier. Une première carte extra. La 623. Alors là, je ne peux pas vous dire les prix.
Mais celle-là, elle est plutôt pas mal du tout. Elle est plutôt même très très belle. Je vais la mettre de côté. Hop, on a au pire de Guermont aussi, la 657, deux extra dans le même booster. Alors c'est des boosters aléatoires, hein. J'espère qu'ils ont pris des boosters qui se suivaient d'une même boîte. Ça ferait plus de chance. L'âme de l'aïeul. Alors là, c'est la numéro 384. Ok, on peut commune. On continue. Tromocratis. Peu commune 129. On continue. Une peu commune blanche. La 8 à la rue ritualiste solennelle. Une mythique. Une rare crage expérimentale. C'est une multicolore. 337. Bon, je ne la suis pas notée. Elle est pas. Ah, source rajeunisseuse. C'est un terrain la 424. Je ne l'ai pas notée non plus. Il n'y a pas de terrain, ça doit pas être un terrain super coté. On continue. Alors là, il y en a que deux, alors, des rares. Trix, la tempête soudaine, qui est la peu commune foil, numéro 127. Bon. Et un jeton oiseau. Donc, voilà, en deux boosters, c'est quand même important. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 rares. 1, 2, 3, 4, 5 rares, pardon. Des peu communes, j'en ai eu quand même eu 2 foils, mais alors il y a des foils dans chaque booster. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peu communes. En deux ouvertures, 11 peu communes, on va dire, parce qu'il y a les deux extras. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 11 communes par booster, environ. 11, 5 peu communes, et puis une foil et un jeton, et 4 et 3 rares, pardon. Allez, troisième booster. Alors, effectivement, le deuxième, là, ça dépendra aussi de ces deux peu communes, là, il y a Jean-Bert Déclair. Bon, c'est peut-être intéressant, hein. Deuxième booster aussi qui peut être pas mal du tout. Alors, le troisième, Chicari Lance-Soleil, Salve Sulfureuse, Œil du Pèlerin, Abomination Perverse, j'ai pas eu la 321 en commune, Elle Brisée. Je vais voir, j'ai hâte de savoir combien je vais avoir de cartes différentes de cette édition avec si peu de boosters, Sphinx, Goliath, mais vu qu'il y a déjà 20 cartes, Il Prospère, Lame Ancestrale, Souffle Aigreur, Éclair Vivant, Sourcier des Épaves, Pan convoité, bon, un peu commune bleue, je me suis pas noté, un peu commune. As de l'escrime, rien spécial. Oh, fait ou fiction, la numéro 631, waouh. Alors, encore une extra, un peu commune. Elles sont très belles, par contre, franchement, les cartes sont magnifiques. Golem météoritique, la 399, un peu commune. Rien de spécial, qu'est-ce que j'ai? Padim consul de l'innovation, un peu commune. Bon, allez. La première, oh, c'est quoi, c'est une extra ça? Chiret, pourvoyeur de Shizu, un peu commune, la 676. Bon, et maintenant les rares, allez, une bleue, oh! Alors les bleus, il y a des cartes qui sont super cotées. Alors là, ça va être très très intéressant, qu'est-ce que c'est? Géralf Raccommodeur, la 121. Eh ben, pas de chance, elle en fait pas partie des cartes que j'ai pu me noter. La 121, pas de bol, alors qu'il y a des bleus qui sont super cotés. Deux qui sont à plus de 20 euros en rare. Allez, on continue. Oh, et ben voilà une super carte. Saison 2, dédoublement, une mythique, la mythique verte, numéro 283. C'est l'une des cartes les plus cotées de cette édition. Alors là, elle va être sous pochette plastique, là, c'est sûr. Mais celle-là, je vous demande si elle n'était pas au cours de 30 ou 40 euros. Alors là, c'est un coup de bol, les amis. C'est vraiment impressionnant. Un gros, gros, gros coup de chance. Chemin vers l'exil, un peu comme une foil, encore un peu comme une foil. Ça, c'est marrant, ça, parce que les peu communes folles, c'est la troisième que j'ai. Et puis, un jeton, le Dracy. Et si on, donc, alors, saison de dédoublonnement, celle-là, je vais bien la protéger. Ça, c'est super important, les amis. C'est une super carte. Alors, c'est vrai que les boosters coûtent cher. Chaque booster coûte entre 13 et 15 euros. Mais là, avec une carte comme ça, c'est le prix d'achat de 3 boosters, hein, je pense. Ça, je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse et de stats, les amis. Rendez-vous demain, hein, pour l'analyse et stats de cette ouverture. Allez, on ouvre encore un booster. 4 boosters, il y en a 10. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus long que d'habitude parce qu'il y a plus de cartes. Mais bon, c'est plus intéressant parce qu'il peut y avoir des petits trésors. Marteau nain. Prairie Prospère. Bon, moi, je suis pas fanny, point de vue, puisque c'est des boosters aléatoires, c'est bien, j'ai au moins une super carte. Vigueur surnaturelle. Coup de bélier. Suivant de filigrane. Orfèvre de Giavoni. Immensité Terramorphe. Frère d'armes Enoch. Rage de bataille témurienne. Avemain meneur devant. Inspectrice de Traben. Ah, dragon entasseur. En peu commune. En rouge, j'avais noté la 260 et 267. Bon, c'est pas ça. Mage du portail, en peu commune.
Pépinière de champignons, un peu commune. Dernière séparation, un peu commune. Bon, ok. Et Surak le grand veneur. Déjà, je vois que c'est encore des cartes différentes, c'est pas mal pour la collection. Qu'est-ce que j'ai ? Du noir. Alors, en noir, il y a quand même quelques cartes super intéressantes en rare. Et c'est la 168. Ils arrêtent l'éveilleuse. Ah non, c'est une peu commune, pardon. La 168. On n'est pas encore. J'ai cru qu'il y avait. Il y a peut-être moins de rares ce coup-ci. Et là, on a Teferi Archimage temporel en rare. Oh, la 125. Ben, je ne me la suis pas notée. Donc, je ne sais absolument pas sa cotation. Là, c'est une ça sera une surprise. Ben, je découvrirai demain. C'est pas une carte que je me suis notée. Déluge toxique. La rare numéro 191. C'est un peu plus de 5 euros, je crois. C'est 7 euros et quelques. On va la protéger quand même, celle-là. On va mettre une petite protection. Ok. Et puis après, qu'est-ce qu'on a en foil ? Une bleue resculptée, c'est une commune foil. Bon, ok. Et puis ensuite, on a le monarque en jeton. Ok, donc une carte à 7 euros et quelques. Bon. Pour un booster à 13 à 15 euros. Donc c'est, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Je vais la mettre de côté parce que c'est quand même... À noter. Alors, 10 boosters, si vous les payez 15 euros, ça fait 150 euros de dépenser. Hein. Je vous donne un ordre d'idée. De toute façon, je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse des deux stats. Je vous donnerai les prix d'achat. Et puis là, on va voir s'il y a une rentabilité ou pas. Parce que là, ça a aussi un coup de bol de prendre des boosters aléatoires. Prisme prophétique. C'est le 5e booster avant-garde de la Légion. Courage en pleine crise. Analyse en profondeur. Land prospère. Miradoubé. Gobelin des rues. Champion de la flamme. Écrabouilleur du Lamog. Oh, elle est belle, la nuit de Nadier. Waouh, elle est super belle, une commune extra. Alors, c'est une nouvelle carte, je vais la mettre sur le côté ici. On la verra pas bien, mais bon. Mystic Elf. Héros de la milice. Un peu commune. Terrasseur du Lamog. Un peu commune. La 4, elle est, je crois qu'elle a 1 ou 2 euros, celle-là. Pas mal. Juge des façonneurs d'armure. Projecteur spectral. Un peu commune, 411. C'est pour ça qu'avec un petit booster, on peut se retrouver avec 2 ou 3 cartes à 2 ou 3 euros. Ça monte vite. Raph. Capachon, mage de navire. Hop, Inga, œil de rune, un peu commune, et là, on arrive encore, une rare, Talran, invocateur céleste, la 124, je me la suis pas notée, bon, c'est dommage, j'ai noté pourtant pas mal de cartes, puis chez les bleus, il y a quand même trois cartes super intéressantes, ok, rien de spécial, on verra, oh, subornation, c'est une mythique, la 77, c'est une dizaine d'euros, mais c'est toujours une mythique supplémentaire, bon, c'est la deuxième, en 10 boosters aléatoires, c'est plutôt pas mal. Je vais la protéger après. Qu'est-ce qu'on a ? Ralph, Capachon Mage de navire, un peu comme une foil, bon. Et un jeton soldat. Donc, celle-là, c'est la deuxième mythique. Et deuxième mythique, bon, un petit peu coté, mais c'est toujours... Voilà, on va bien la protéger. Et une dizaine d'euros, c'est toujours ça de prix. Donc là, je pense que je suis rentable à nouveau sur ce booster. Donc, ça fait quand même, les amis... Déjà, une carte autour de 30 ou 40 euros, une carte de 10 euros, et puis deux autres cartes intéressantes, en 5 boosters. Il m'en reste 5. Alors, il faut arriver à 150 euros pour voir si c'est intéressant ou pas, en sachant que c'est quand même 10 boosters, il y a des chances, qui ont été pris dans une boîte de 24 boosters aléatoires. Promontoire prospère. Puis ce que je vois aussi, c'est que je vois beaucoup de cartes différentes. Ça, c'est pas mal pour la collection. Parade farouche, assistant dément, ravitailleur, lentille prismatique, chair à dragon. Serviteur propagateur, en revendication de l'inciel. Là, voilà, la 321, je crois qu'elle a un peu plus d'un euro. Ah ben, au moins, j'ai au moins un exemplaire. Je vais mettre de côté ici. Arc du Perce-Cœur. Oh, contre-sort ! La 630, en commune. Ah ah ! J'ai hâte de voir aussi, je sais pas les prix des extras comme ça. Retour de l'effroi. Alors, géant de tige de haricot, un peu commune. Rendre à la poussière, la 52, un peu commune. Gourmet d'entrailles. 163 un peu commune, perspicacité du chasseur un peu commune, et Tuya, ours griffe un peu commune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du blanc. Ah, du blanc, il peut y avoir des cartes intéressantes aussi. Allez, hop, tac! Ah non, c'est encore une peu commune, Danita Capachon Parangon. Ok, on continue. Ah, oh, l'Urdragon! Une nouvelle mythique! La 361, en plus, elle est, oh, je crois qu'elle est autour d'une quarantaine d'euros, alors à vérifier. Parce que ça, c'est les cotations, ça bouge tout le temps. Mais alors là, par contre, c'est un énorme coup de chance, les amis, parce que c'est le 6e booster que j'ouvre. Je vous assure, c'est 10 boosters aléatoires. Mais avoir deux cartes comme ça, après saison 2... Bon, alors ça... Oh, oh, elle est belle, celle-là, gradin de spectateur. C'est une rare extra. Et alors là, j'en ai un peu de partout. Je sais même pas où la mettre, celle-là. On va les mettre... Je vais les mettre la rare là-bas. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Hop, ça va être plus simple.
Voilà. Celle-là, je vais finalement la laisser là, en rare extra. Ok. Je vais la mettre ici. Après, il y a Prairie Prospère, en commune foil. Et ensuite, j'ai un jeton Mécanoptère. Alors voilà, les amis, Lure Dragon, celle-là, par contre, je vais la protéger. Je vais bien la protéger parce que c'est une carte de fou. Vraiment. Ouh. Alors, Lure Dragon, saison de dédoublement. Et en plus, Subornation, j'ai eu 3 mythiques en 6 boosters. Il me reste 4 boosters à ouvrir. Alors, je ne sais pas si les cotations de mythiques sont aussi élevées, les amis, dans les ouvertures d'une boîte de 24 boosters. Moi, j'en ai 10, c'est au hasard. Et je me tape 2 mythiques de fou. Alors, j'ai hâte de voir des cotations, parce que les cotations bougent tout le temps. Elles sont peut-être plus à 30, 40, peut-être c'est tombé avant, mais bon. À voir. Landre Cendreuse. Escogriffe Putride, Vizir de la Chute du Sable, Disciple du Démon, Piole de Feu des Dragons, Emprise Spectrale, Électromancien Cyclope. Par contre, j'ai pas eu grand chance en foil, mais bon. Chagrin Accablant, Promontoire Prospère, Tout ce qui brille, Prédateur de Cozy Lake, Volée de Corneille, peu commune, Belliciste des Frontières, Despote des Tours, pas de peu commune intéressante, Perspicacité du Chasseur, et Trix, la tempête soudaine. Qu'est-ce qu'on a? Akiri, Pérégrine, Intrépide. Et en rare, Sancha, Agent en Sommeil. Ok, la 362 en rare. En multicolore, j'ai pas repéré grand-chose, hein, par contre. Un terrain caveau des champions. C'est la 436. Et ben, je crois que c'est le terrain le plus coté. Il me semble qu'il était autour d'une dizaine d'euros, mais à voir, à voir. Voilà, encore plus ça, c'est énorme. Dragon Nidifiante, alors c'est une commune foil à 245. Je me la suis pas notée, et une rare foil, pardon, je ne me la suis pas notée, et effrayée en jeton. Donc je pense pas que cette rare foil soit super intéressante. Voilà. Alors, voilà, foil, j'ai pas été super chanceux, on va dire. Mais alors, par contre, pour les ouvertures, les amis, c'est un truc de fou, là, franchement. C'est le terrain, celui-là, le plus coté. De cette édition, il me semble. Alors là, c'est plutôt pas mal. Et il me reste encore, les amis, 3 boosters. Bah, j'ai vraiment hâte d'aller voir les cotations de ces cartes. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que alors là, ça devient. Et puis j'espère que les autres ouvertures seront un peu de même. Parce que vous aurez une vidéo bilan de toutes les ouvertures que je vais faire demain. Donc, ce sera la vidéo d'analyse de stats de